dis amen. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne lui doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Et à ce côté, j'aimerais savoir qui est, qu'on puisse savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Là, si tu sais la personne de Jésus, tu vas savoir comment vivre pour lui. Alléluia. Il y a d'autres qui disent que c'est le Fils de Dieu, d'autres ceci, cela, mais nous-mêmes, comment est-ce que nous voyons Jésus? J'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose. Matthieu 28, verset 18-19. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 18-19. Il a dit quelque chose. Présente-leur. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Yesu te koko yo gbona o so nso kata sile le dipo anigba njipe anigba te konai e fi ayo ele do mi roda bena mi ayi mi ave ojo ko kata troso ni nsro lo mi afio onu e meli pe mi kaka sore ani yi ave nu. Oh, quelle envie de dire, il y a un bâton, nous sommes les plus que Jésus est sorti aux élèves. Alors, toi qui as accepté tout à l'heure de faire le baptême, tous les pouvoirs qui sont en Jésus te sont conférés. Parce que Daniel est la bouillie, ce dernier. Parce que c'est toi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit. Non, mais les gars, on va une cesse faible avec Aoh. Yes, une cesse faible. Si quelqu'un te dit que tu es cesse faible, dis non, Jésus n'est pas cesse faible. C'est Jésus qui est en moi. C'est lui qui est en moi. Alors, tout pouvoir qui est en lui réside en moi. Alors, tous les pouvoirs qui sont en Jésus. Jésus réside en toi. Alors il n'y a plus la crainte. La crainte ne sera plus ton partage. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, de crainte. Mais la puissance qui nous poussera à dire Abba Père, c'est cette puissance qui nous appartient. Parce que nous savons que le diplôme, l'animal, la puissance qui est au ciel, sur la terre, cette puissance lui appartient. Alors, cela nous appartient. Et il a encore
dit que nous ferons ton plus grand que lui. Et venez au Gaouillé. Il a dit qu'on fera de plus grand chose que lui. Viens au Gaouillé, donc c'est. Et on fera de plus grand chose que lui, sa puissance. Non, nous parlons, elle est baoua, et bien c'est si que les gens. Une simple femme a saisi son habit, il a dit que non, qu'une puissance l'a quitté. Amen. Bien aimé. J'aimerais qu'on puisse comprendre Jésus. Pour que tu puisses connaître celui qui va vivre en toi. Mais la question reste à poser. Jésus a dit, fais de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a dit. Nous allons voir Actes chapitre 2. Verset 38. Acte 2, verset 38. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et Pétro Bona, mais trop le n'y a pas de Dieu, mais il y a aussi d'autres. Et c'est avec Béa, on veut nous annoncer la soumiasi. Il y a aussi d'autres, les yes, ou bien comme. Amen. Président, nous avons baptême, nous sommes fiers, nous sommes. Clair. Et j'aimerais que, avant de faire le baptême, j'aimerais que cet enseignement soit bien clair. Pour que quelqu'un n'aille pas te poser. Si quelqu'un veut te poser des questions pièges, il faut savoir comment lui répondre aussi, pas des réponses. Amenez-moi à poser des questions pour te bloquer, à répondre, à aller pour la débloquer. Ah, si quelqu'un veut te poser des questions pour te bloquer, tu sauras quelle réponse lui donner pour le débloquer. Là, il dira que Jésus a dit de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, son disciple Pierre vient dire qu'on n'a qu'à baptiser les gens au nom de Jésus. Mais entre Jésus et son disciple, lequel est plus grand? Nous allons. On va faire la part de qui sont pour Jésus. Qui sont pour Jésus? Pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Christ himself was commanding the disciples to baptize in the name of Father, Son and Holy Spirit, right? But now, one of the disciples rather went and Peter went and baptized in the name of Jesus Christ. Now, this is the question. Within the commandment or the reorder of Christ and what Peter has done, upon this, between these two deeds, which one are we going to do? Are we going to be the side of Christ or on the side of Peter? Now, this is the question. Now, put up your hand. If you don't, where you will lay yourself? Nous sommes de quel côté? Qui sont ceux qui sont du côté de Jésus? C'est aujourd'hui qu'on verra ceux qui aiment Jésus. Qui sont ceux qui sont du côté de Jésus? You are baptized in the name of Father, Son, and Holy Spirit. It's the same like you are baptized in the name of Jesus. It's the same. Mais qu'est-ce qu'on dit maintenant? Nous serons du côté de qui? Pierre lui veut tromper les gens. Pierre lui veut tromper les gens. Jésus lui a dit que lui l'a dit qu'on doit baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi, tu viens dire au nom seulement de Jésus. Non, on va faire les choses d'abord. De quel côté nous serons? Côté de Jésus ou de côté de Pierre? Miano, je ne suis pas dit. Allô, Miano, Petro, va pas dit. Non, c'est pas qu'on va parler. De quel côté nous serons? C'est un bon peu. Voilà, pas qu'à Miano.
Alors ceux qui sont du côté de Jésus qui se lèvent. Ceux qui aiment Jésus et croient ce que Jésus a dit. Ah, de ce côté, ceux qui sont du côté de Jésus qui se lèvent. La question n'est pas, Maintenant, qui sont ceux qui sont du côté de Pierre? Qui sont ceux qui sont du côté de Pierre? Who are the side of Peter? Il y a des personnes qui se sont levées. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 19 que baptiser les gens au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Pierre est en train de dire dans Acte 2, verset 38 que faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ seul. Est-ce que Pierre est en train de respecter ce que Jésus a dit? Est-ce que Pierre a respecté ce que Jésus lui a dit? Pourquoi Pierre n'a pas respecté ce que Jésus a dit? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes troublé. Jésus lui a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre lui est venu qu'au nom seulement de Jésus. Il n'a pas respecté ce que Jésus dit. Bravo, fort. Jésus, 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 Jés
moi. Ah. Est-ce que vous avez peur? Ah. Ok, allez-y, on le voit. Oui. Es-tu sûr que tu n'as pas, que tu n'as pas peur? Nous allons acclamer le Seigneur. Mais avant de l'acclamer, nous allons chanter et sur le cantique. Et après le cantique, c'est alors que nous allons acclamer le Seigneur. Est-il prêt? Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Bien-aimé, regarde ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Vois un peu ce qu'il a fait pour nous. Regarde comment on l'a humilié à cause de nos péchés. Regarde comment on l'a calomnié à cause de nos péchés. Regarde comment on l'a humilié. Regarde comment on l'a mis à nu. Regarde comment il a demandé de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Regarde comment on l'a couronné de pite. Regarde. Lui qui n'a jamais été malade. Mais à cause de vous et moi. Regarde comment ça pourrait être déchiré. De vous et moi. Il n'a jamais fait de l'accident. Regarde un peu son visage. Regarde comment on l'a percé. Regarde comment on l'a déchiré. Et c'est à cause de vous et moi. Il a accepté se livrer. Il a accepté, il a donné sa vie pour vous et moi.
Seigneur Jésus, tu es Dieu. Éternité en éternité.
Thank you.
Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. L'ancienne vie doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie.
Nous avons reçu le baptême. Nous avons mené une nouvelle vie. L'ancienne vie doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous avons mené une nouvelle vie. Alléluia. Sur le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Seigneur Jésus-Christ. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne vie va partir. Alléluia. La sienne vie va partir. La sienne vie doit partir. Nous allons mener une nouvelle vie. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne vie doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Sur le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne va partir. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, le baptême que je vais recevoir, les mauvaises vies, les anciennes vies que j'aimais, toi, ancienne vie, toi, vieil homme, je ne veux plus te voir ni entendre parler de toi. Tu es maladie, je ne veux plus te voir. Tu es malédiction, je ne sais quoi que tu es, mais je ne veux plus te voir. Tu es péché, je ne sais pas. Mais ce que tu es, les péchés des arrière-parents, je ne veux pas savoir. Mais à l'instant, au nom puissant de Jésus, tu dois appeler par la Jésus. Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Nous avons reçu le baptême. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. La sienne doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Nous avons reçu le baptême. Nous allons chanter.
La sienne n'est pas partie. Alléluia. Oh, voilà, Joe. La sienne n'est pas partie. Nous allons mener une nouvelle vie. Oh, voilà, Joe. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. L'ancienne vie doit partir. Nous avons reçu le baptême. Nous allons mener une nouvelle vie. Alléluia. Oh, voilà, Joe. Nous avons reçu le baptême. Ah.